Salut tout le monde, c'est On se retrouve pour une vidéo d'aide et de guide sur Cities Skylines 2 depuis sa sortie. J'ai lu beaucoup de commentaires de gens qui ont des problèmes pour le faire tourner correctement vu qu'il est super mal optimisé. Comme je vous l'avais dit dans ma vidéo qui donne mon avis sur le jeu, je l'avais donné quelques jours avant la sortie et je vous avais prévenu de ça. Donc maintenant, on va essayer de D'aider un peu les gens qui ont des problèmes d'images par seconde. Vous voyez que j'ai mis un compteur d'images par seconde en haut à gauche de mon écran et que pour l'instant je tourne autour des 14, 15, 16, 17, 18, 19 quand ça va très bien. Mais globalement c'est quasiment injouable ou en tout cas très difficilement dans l'état où ça se trouve. Évidemment ce ne sont pas mes options normales. J'ai remis le jeu en LV sachant que j'ai quand même une Nvidia 3080 au niveau de ma carte graphique. J'ai 32 Go de mémoire RAM et en fait également un bon processeur même si ce n'est pas tellement le processeur qui peut être en cause ici dans les ralentissements du jeu mais plutôt l'utilisation de la carte graphique le jeu est également très sombre ici parce que je suis en train de jouer sur ma ville de mon let's play et le problème c'est que je suis en hiver et que apparemment le jeu a décidé qu'en hiver tout était gris et qu'il fallait être en état de dépression constante donc dans mon let's play j'applique un filtre pour rectifier un petit peu ça pour les images mais ici on va vous laisser les images brutes du jeu pour que vous voyez bien les effets des différentes options qu'on va tester ensemble. On est parti pour faire remonter ce compteur qui est à 14-15 images par seconde. On va commencer par ce qui est le plus efficace directement. Je vais pas par contre vous le conseiller mais si vous voulez récupérer des images par seconde, le jeu est extrêmement sensible à la résolution. Si vous descendez en 1080 pixels ici je vais regagner 10 images par seconde à peu près. Ce qui est évidemment beaucoup, vu qu'on partait de 14-15, on arrive à 25-26. C'est pas mal. Moi, je ne le conseille pas, sauf si vous arrivez à supporter de jouer à une résolution inférieure à votre écran, ce que personnellement, je n'arrive pas à faire. Ensuite, on va bouger les trois options principales que je vous conseille vraiment en tout premier lieu de tester. La première, c'est le niveau de détail. On va le mettre en bas. La deuxième, c'est la profondeur. De champ, donc mode profondeur de champ, on va mettre désactivé. Vous n'allez pas perdre grand-chose à bouger ça. Pour le niveau de détail, oui, vous allez avoir moins de détails en vue plus éloignée de la ville, mais globalement, le gain est tellement intéressant que je vous conseille vraiment de commencer par baisser le niveau de détail du jeu. Il y a quand même moyen que ça reste relativement correct en baissant ce niveau de détail. Et puis le troisième point, c'est la qualité de l'échelle de résolution dynamique. Je vous conseille vraiment de le laisser désactiver s'il est activé, de le désactiver. Il vaut mieux pas y toucher. Une fois que vous avez ces trois options, comme je viens de vous le dire, vous allez remonter. Donc on passait de 14-15 à plus ou moins 28-27-28-30. Donc on gagne quand même à peu près 15 images par seconde et on récupère un jeu fluide. Rien qu'en bougeant ces trois paramètres-là, si jamais en plus évidemment vous réduisez la résolution, là vous allez encore gagner des images par seconde. Le jeu n'a pas tellement souffert visuellement euh, de ces changements. Maintenant on va passer en revue le reste du menu ensemble. Et je vais vous dire ce qui pour moi peut être changé et ce qui doit rester. Donc le mode d'affichage, euh, mode fenêtré, fenêtré, plein écran. Je n'ai pas vu de changement en images par seconde. Donc vous pouvez garder ce que vous préférez. La V5, je la laisse activer également. Niveau anti-crénelage, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Globalement, moi j'ai pas de problème en laissant SMA élevé. Ça ne change pas grand chose par rapport au reste. On pourrait éventuellement l'enlever. Je n'ai pas vu de gain hyper hyper important à enlever l'anticrénalage, mais ça dépendra sans doute également de votre carte. Donc vous pouvez également l'enlever si jamais ça vous aide. Certainement, tout ce qui est nuage, brouillard. C'est pas tellement intéressant au niveau visuel pour votre ville. Je vous suggère de les enlever, vous allez potentiellement gagner encore pas mal de FPS. On monte maintenant à 32, j'ai vu un 37 avant 35 FPS, ce qui commence à devenir assez correct. Tout ce qui est occlusion ambiante, éclairage, pour moi c'est important pour la beauté d'un jeu, on va le laisser, ça, ça bouffe pas tant que ça, ça n'a pas de problématique. Les reflets non plus, on va les laisser. La profondeur de champ, très clairement on va l'enlever, ça ne sert quasiment à rien dans le jeu. Le motion blur de l'image, donc ça c'est le flou d'image quand vous bougez la vue de la caméra, ça sert pas à grand chose non plus, on va l'enlever. On va laisser la qualité des ombres élevée, la qualité du terrain élevée. Ou alors évidemment, si vous avez une carte... Alors évidemment, tout ce que je vous dis, c'est idéal pour la 3080. Si vous êtes avec une carte graphique beaucoup plus ancienne, vous devrez peut-être mettre sur moyen, par exemple. Qualité de l'eau, pareil, niveau de détail, on l'a déjà vu. Qualité de l'animation, honnêtement, pour un jeu comme ça, les animations, c'est pas le plus important, je laisserai sur moyen. Il faut déjà zoomer tout près pour voir les animations, notamment des citoyens. Et puis pour la qualité de la texture, je laisserai personnellement sur élevé. C'est important d'avoir des belles textures pour... Avoir un jeu qui a un look correct. Voilà, avec ces réglages, on a gagné à peu près 15, 16, 17, 18, 19, voire même parfois un peu plus images par seconde. J'ai récupéré un jeu fluide, il n'a pas tellement perdu en beauté. Donc voilà en gros ce que je peux vous dire. Évidemment, le jeu a un sérieux, sérieux besoin. un d'optimisation de la part du développeur mais deux également de régler les bugs graphiques et visuels comme tout ce qui est clignotement des ombres quand vous laissez le cycle jour-nuit activé. D'ailleurs, c'est également une option dont on peut parler. Le fait d'activer les visuels jour-nuit, potentiellement, ça va vous faire perdre également des images par seconde. Vous voyez que là, on est quand même, est quand même pas mal tombé. Je l'ai perdu quelques-uns, 4-5. Donc, je vous conseille également de le désactiver. Il y a pas mal de problèmes également pour l'instant quand vous laissez ça activer avec des ombres qui clignotent. Bon, là, le jeu ne le fait pas trop pour m'embêter parce que je vous fais la démonstration. Mais parfois, les ombres sont vraiment dégueulasses à cause de ce, de ce cycle jour-nuit qui n'est pas bien, ou en tout cas pas toujours très bien intégré au niveau des graphismes. Alors, c'est sympa de l'avoir. Hein? Moi, je l'active de temps en temps. Mais globalement, pour travailler et construire ma ville, j'aime mieux le désactiver et on gagne du coup quelques images par seconde. Voilà, ça, c'était mes petits conseils pour essayer d'optimiser un petit peu le rendu de votre ville et surtout les images par seconde, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et à suivre également mon let's play en cours, je vous laisse avec cette image cliquable du premier épisode de mon let's play de construction de ville sur City Skylines 2, salut tout le monde